L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Qu'est-ce que vous pensez de ce drapeau LED? Alors c'est qu'un prototype et on est loin d'en voir partout, mais dans un stade, ce serait déjà intéressant de voir ce que ça donnerait. En parlant de stade, on va justement faire le point sur les 5 grands championnats européens en attendant les compétitions européennes dès demain. Au passage, mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, la réception du Benfica se fera sans Messi. Il est forfait. Quand on connaît la forme de ces dernières semaines, ça fait mal. Alors est-ce que vous pensez que ça peut jouer des tours aux Parisiens? Dites-moi dans les commentaires. Après, si vous êtes confiant ou pas d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire pour tenter des pronos. Pour le rappel, via BetClick, vous avez en plus la possibilité de débuter avec 100€ sur le premier pari avec le code LexiG. Il faut être majeur et faites très attention à tous les risques, bien évidemment. Outre Messi, l'homme fort du moment, c'est bien Haaland. Il introduit la vidéo et l'image du jour pour une pétition lancée en Angleterre. Pétition visant à exclure le Norvégien de la Première Ligue parce que, je cite, « c'est un robot ». Elle a récolté 2 millions de signatures avant d'être retirée. 2 millions, bordel. Légalement, avec autant de signataires, le sujet aurait dû être débattu au Parlement anglais. Carrément. L'ironie du sort, justement, c'est qu'Haaland a encore marqué avec City dans la gifle infligée à Southampton en Première Ligue. Le nom du cyborg était repris partout au sein de la presse anglaise, à commencer par le Manchester Evening News. Le Télégraphe, de son côté, l'a joué sous le ton de la blague en disant au buteur qu'il n'a inscrit qu'un seul but. Tandis que le star fait dans le jeu de mots, all over. Le Norvégien s'illustrait qu'une fois, certes. Or, il peut maintenant se targuer d'atteindre la barre des 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Un record. Par contre, les Citizens sont beaux et très injouables. Derrière, Arsenal tient bon et garde la tête du classement après la réception de Liverpool. Dans un match à multiples rebondissements, les Gunners sont parvenus à prendre l'avantage sur les Reds grâce en partie à un doublé de Saka dont son penalty victorieux à un quart d'heure du coup de sifflet final. Le Daily Mail, comme le Mirror, souligne sa performance. L'Express lui évoque la situation de Klopp et établit un lien avec le bug des 7 ans passés dans chaque club entraîné par le coach allemand avant de trouver un nouveau défi. De Mayence à Dortmund, puis désormais sur le banc d'Anfield avec une 7ème année en cours. Il s'incline et déclare déjà que Liverpool ne gagnera pas le championnat. Au vu du retard de points, il y a des raisons de le croire. Les Reds se placent dans le ventre mou du tableau avec seulement 10 points contre 24 pour le leader et 15 pour le 5ème. United devait se relever du massacre dans le derby de Manchester et c'est chose faite. Rapidement mené 1-0 sur la pousse d'Everton, les Red Devils sont parvenus à inverser la tendance avec Anthony d'abord, puis Ronaldo profitant de la sortie sur blessure d'Anthony Martial. Décidément, la star portugaise met fin à une disette de manière symbolique avec le 700ème but de sa carrière. Le verdict, Goals, le Times et même Abola au Portugal placardaient l'événement au premier plan. A noter que sur l'action, Casemiro était dans la position du passeur pour ajouter un peu plus de beauté. De beauté, il en était aussi fortement question en Allemagne avec le mur jaune du Signal Iduna Park. Le 12ème homme a eu son impact et les joueurs en avaient besoin. Dans un classiqueur de folie, Dortmund a accroché le Bayern 2 buts partout avec un but à la dernière minute, dernière seconde même d'Anthony Modeste. Le magazine Bild met en avant l'attaquant français et la fin d'une série de 7 défaites du Borussia face à l'ogre bavarois. L'Union Berlin tient toujours les commandes de la Bundesliga suivie de Fribourg. Le Bayern sur la première marche du podium a égalité de points avec Dortmund. Un autre Frenchie se faisait remarquer dans une rencontre de la 9ème journée. Après une succession de 5 matchs sans victoire, Leverkusen a battu Schalke 4-0. Un score fleuve entamé par un super but d'un certain Moussa Diaby. Il intègre logiquement l'équipe type de kicker. Dans moins d'un mois, Deschamps fait sa liste pour le mondial. C'est important de marquer des points. Les amis, petite pause rapidement histoire de vous demander de lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo. Ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement, alors merci à tous ceux qui le feront. Après Arsenal-Liverpool, Dortmund-Bayern, l'Italie avait à son tour un choc, Milan-Juventus. La une à l'écran en dit suffisamment pour comprendre que le perdant était blanc et noir. Tout au sport remet en cause la devise de la Juve en titre, fino à la fine, et écrit le terme encore à tout va en guise de déception. A contrario, la Gazzetta dello Sport est à la fête avec l'un des deux buteurs. Brahim Diaz a permis aux siens de faire le break et en prenant 3 points, les Rossoneri recollent le trio de tête avec l'Udinese à même hauteur, l'Atalanta et Naples, facilement vainqueurs du promu Cremonese. Le Corriere dello Sport vante la performance du Napoli avec quand même un encart pour le succès de la Roma contre Lecce. Umtiti a enfin joué ses premières minutes mais ça n'a pas suffi. Dybala a délivré ses coéquipiers sur un pénalty avant de se blesser et peut-être gravement. Mourinho le sent très mal en tout cas. Les infirmeries commencent à se remplir avant le plus grand événement de l'année. L'Argentine est concernée cette fois et l'équipe de France quelques jours auparavant. La blessure de Lucas Hernandez est plus grave que prévu et il devrait manquer encore 4 à 6 semaines de compétition. Il y a de l'optimisme néanmoins. Du côté de la Liga, à présent, les deux joueurs espagnols se sont contentés de peu, mais ont assuré l'essentiel, c'est-à-dire l'emporter sur le plus petit des scores, l'un face à Retafe, le Real Madrid, l'autre face au Celta Vigo, le Barça. Marca comme Mundo Deportivo mettent en avant les hommes providentiels, à la fois Militao pour les Madrilènes et
et Ter Stegen, le gardien pour les Barcelonais. Cependant, les deux autres confrères font le clin d'œil au Classico dans quelques jours. À Madrid, AS explique que son équipe avait déjà la tête au Classico, alors qu'à Barcelone, Sport rappelle que les Catalans sont leaders actuellement. Au classement, l'écart se creuse sur le 3ème Bilbao, l'Atlético derrière qui est suivi de près par le Betis et la Real Sociedad. Au passage, vous le sentez comment le Classico? Ça m'intéresse. J'ai encore le mort. Alors en France, on n'avait pas de classico, mais le derby du Nord entre Lille et Lens, il a tenu toutes ses promesses et le scénario est cruel pour les Lensois qui mettent fin à une série de 17 matchs sans défaite. Après un pénalty raté par le Racing, Jonathan David n'a pas manqué le sien. Le LOSC a poussé avec son public avant de garder le score et remplir sa mission. Au-delà de stopper la série d'invincibilité, qui plus est dans un derby du Nord, le plus dur pour les 100 et or, c'est qu'il y avait l'opportunité de monter sur le podium. L'OM était tombé en panne au Vélodrome face à Ajaccio, concédant sa première défaite de la saison. Un bel exploit en revanche pour l'ACA, qui ce matin validait logiquement la deuxième victoire des Ajaxiens qui se replacent dans la course au maintien. Bravo à l'entraîneur, Pantaloni présent dans le 11 type de l'équipe aux côtés de son joueur Marchetti. En parallèle, un club se démarque encore et depuis plusieurs semaines d'ailleurs, Lorient. Eux n'ont pas raté le coche. En renversant Brest, les Lorientais comptent 6 victoires d'affilée et sont dauphins du PSG. Les 10 premières journées de l'édition 2022-2023 resteront gravées. Encore faut-il que ça dure. Sinon, parmi les autres affiches et dans l'ordre du classement actuel, on note que Monaco a continué de dérouler en déplacement à Montpellier. Rennes s'est offert le 1-2 et 3-0 en réception de Nantes. Le surprenant Clermont a battu Auxerre. Pas de surprise en revanche concernant Lyon qui a buté à domicile face à Toulouse. Sur les 5 premières journées, l'OL avait pris 13 points sur 15 possibles. Sur les 5 dernières, un seul petit point. C'était trop pour la direction qui a décidé de se séparer de Peter Bosch. Son remplacement n'a pas perdu de temps avant d'être connu puisque c'est Laurent Blanc qui prend la succession. Il s'est engagé jusqu'en 2024 et a la lourde tâche de relancer ses joueurs. Au classement, il pointe à la 9ème position avec 14 points. 14 comme le rang de Strasbourg. Le RCSA a enfin sorti la tête de l'eau. Il était temps. C'était pas facile, mais il a fallu arracher une victoire du côté d'Angers. Puis on en vient au Paris Saint-Germain, le dernier invaincu actuellement en Ligue 1. Invaincu, mais pas victorieux pour sa dernière échéance. Le Stade de Reims a réussi à tenir tête au champion de France réduit à 10. C'est justement l'aspect qui a attiré le regard des médias et notamment de l'équipe. Paris voit rouge, Sergio Ramos s'est fait expulser avec plein d'incompréhension, l'arbitre a dégainé plusieurs cartons jaunes et le corps arbitral plus globalement a encore été pointé du doigt. En parallèle, c'est Mbappé qui faisait encore polémique. Après la rencontre, personne n'a manqué sa story où il écrit « Match nul, rendez-vous mardi », hashtag ici c'est Paris, mais surtout hashtag pivot gang. Comme il le faisait comprendre avec les Bleus récemment, il n'est pas content de sa position au Paris Saint-Germain. Galtier a d'ailleurs évoqué sa situation en conférence de presse. Il est conscient que Kylian est un peu orphelin de Léo et Neymar, mais dans ses plans, il voyait l'association avec Ney exister à un certain moment. Sauf que ça suffit pas et en interne, le français serait mécontent. Le parisien parle carrément d'un malaise. Mbappé serait remonté contre son positionnement qui correspond pas aux promesses qui lui ont été faites avant la saison. Après, et heureusement, il a échangé avec ses dirigeants ce dimanche à l'entraînement. Pas de tremblement de terre en interne. L'idée est plutôt de positiver cette énergie négative avant Benfica en Ligue des Champions demain. En attendant d'ailleurs, on va sortir un peu du sportif pour l'extra sportif. Ce jour, on vient d'apprendre que QSI, à la tête du club de la capitale, vient d'acquérir 22% des parts de Braga au Portugal. Une acquisition qui va permettre d'avoir un peu plus de bagages concernant les jeunes joueurs pour les prochains mercato. Et en parlant de mercato, tenez, le PSG viserait Pierre-Emerick Aubameyang pour la saison prochaine. Santi Aouna de FM indique même que des contacts ont été pris. Mes parisiens, vous en dites quoi? Personnellement, j'ai du mal à comprendre. Je pourrais en dire autant de la propagande d'un retour de Messi au Barça en Catalogne. Sport expliquait dernièrement que Laporta, le président du club Blaugrana, a réussi à effectuer une remontada économique. Les chiffres s'améliorent et sont positifs, donnant de plus en plus d'espoir pour faire revenir la Pulga. Après Messi, je suis obligé de lâcher un mot sur Ronaldo. Le Portugais de son côté fait l'objet de rumeurs d'un départ dans deux destinations plutôt surprenantes. Le Galatasaray avec la une du quotidien Photomatch qui reprend les paroles du boss voulant le recruter, puis de l'Inter Miami de David Beckham. En fin de carrière, pourquoi pas finalement. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage au sort? Pour ceux qui l'ont manqué, l'équipe de France sait à quoi s'attendre pour les qualifications à l'Euro 2024. Les Bleus ont écopé d'un groupe assez relevé avec les Pays-Bas en tête de liste, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. A noter qu'il faut terminer dans les deux premiers pour se qualifier. Donnez-moi vos avis. A mon tour de donner le mien avec la fameuse question de l'abonné. Est-ce que tu penses que le Barça peut sortir des poules de Ligue des Champions? Continue tes vidéos, je les adore. Merci beaucoup. Bah oui, tout simplement, tout est jouable dans un groupe de la mort. Second poteau, pas mal. Avant de clôturer la vidéo, les amis, comme toujours, on se fait plaisir avec les plus beaux buts du week-end. Peters, ça va sans doute sanctionner, on va laisser jouer pour l'instant avec Cancelo. Cancelo, la France, une nouvelle fois, Cancelo jusqu'au bout. Tirer
le ballon qui était bien tombé dans la surface de réparation, la retournée de Joseph de Souza. Et... bien fait, ce ballon dans l'axe pour Diaby, la frappe. Rassimento, destro, la controlla, poi brava la rovesciata, destro. Sur cette pelouse, et là le ballon est perdu par la Juve, oh, il est passé Brahim Diaz devant Bonucci, il est passé encore Brahim Diaz, Brahim Diaz toujours Brahim Diaz. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.